Laissez-moi nous, rappeler nous quelques informations que nous avons ratées pendant ce maintenant. Nous avons quelque chose retendu, revivio sur channel YouTube ça. Et pas oublier moi dire non ça. Toutes informations qu'on besoin qu'on ne sache pas en Haïti et informations tout ou même ou t'es raté ou près quelque chose retendu. Non bon timamit et ça fait toujours demander nous pour être capable abonner avec mes channel informations si là. N'a pas rappelé nous dans commencement ce maintenant. N'a parlé de le week-end qui était week-end 3-4 septembre passé à pour l'ouvrir. Lundi 5 septembre, non. Mais côté, gagner trois corps sans vie que moun te capable de constater dans machine location zone Kora et Sisles. Et trois moun sa yo, c'était trois jeunes garçons. Bam, rappelez-nous détails sous information si là. Agent police nationale d'Haïti et autorité judiciaire découvrent trois corps sans vie dans machine en véhicule location qui est pour plaque LO03-655 dans date qui était dimanche 4 d'août passé. Hein? Mais c'était trois jeunes garçons corps sans vie sa yo joindre qui partent trop loin sous commissariat Kouaï Céleste dans la commune Kouaï Les Bouquets. Mais jusqu'à présent, dans le moment que vous avez information ça là, mais gagner information qui t'a posé pour connaître qui est ces trois jeunes garçons saoyé et nous t'a calviné avec nous calviné avec détails sous nom mais trois moun si yo n'a pas rappelé que trois moun sa yo touyé et plusieurs l'autre moun blessé dans fusillade qui était fait en Kouaï Les Bouquets contre sa nélon en camionnette qui était assuré trajet Kouaï Les Bouquets faux parisien. Ça t'est fait vendredi 2 septembre passé. Pas oublier, c'est rappelé, m'a rappelé nous quelques informations que nous-mêmes nous avons raté. Dans vendredi qui était 2 septembre, mais moun qui t'a passé dans nos camionnettes qui t'a pris besoin mal passe, bah dit 400 marouzo selon ça mon yo dit Kouaï Les Bouquets on dit font parisien mal passe monsieur t'est levé coup de balle sous mes camionnettes. Il y a plusieurs moun qui t'est prend balle, qui t'est blessé et il y a plusieurs moun qui t'est mouri. Il était longé de toute longueur sur groupe gang 400 marouzo. Maintenant, on dit dans dimanche pendant même week-end là, mais que trois monde, il était joint mouri, corps sans vie ça dans machine ça. Et là, c'est trois jeunes garçons ça que nous même nous parler là. Et nous prenons venir avec détail sous nom trois jeunes garçons ça yo et qui est yo yé puisque gain information qui était clair pour te dire, mais trois jeunes garçons ça yo, c'est exactement gain un policier là-dedans et gain un mécanicien là-dedans. Mais trois monde qui mouri dans machine ça quoi sans vie ça rejoindre dans zone quoi c'est celestin gagné un policier qui est Edris Camille et un mécanicien qui est le France Romulus. Ça dit bien oui dans trois moun yo songe ça qui était jeune contre sans vie ça en dedans machine là un moun yo c'est un policier qui est Edris Camille et l'autre moun son mécanicien qui est le France Romulus et dernier l'autre moun yo pas de cas jeune identité pour connait qui est l'été exactement. Mais bon venir avec détails selon ça encore média en ligne le facteur lui-même licité selon sous ce que lui-même que le gagné de propre famille et ben moun victime yo. Mais poursuite action au criminel a fait dans Kouaï Les Bouquets commune ça qui trouvé dans le département de l'Ouest d'Haïti. Mais pour preuve cadavre trois moun que yo joine sans vie zone Bosso commissariat Cisles. Mais non parmi victimes j'en sou dit là au jeune Edris Camille et mécanicien France Romulus qui t'accompagne avec chauffeur monsieur yo. France Romulus monsieur mécanicien monsieur moun qui était trois timoun et c'est mettre yon garage qui trouvé la zone place Jérémy. Une zone qui trouvé là dans Port-au-Prince nous capable dit dans Carrefour Feuille pour moi qui connais Carrefour Feuille très bien. Et image moun sa yo la fait la une sur tout réseau social pendant week-end en songe dans lundi dans dimanche dans mardi parce que moun yo pas comprendre trois jeunes garçons yo entortillé yo et puis yo touyé yo image sa yo qui t'a fait la une non mais ou t'es capable jeune monsieur avec maillot sou yo couleur blanche sou yo et puis t'es jeans sou yo et yo t'es jeune en dans machine ça machine location encore j'aime te dire là qui est pour plaque LO03-655. Selon information que j'en te dis qui confie avec rédaction agence presse en ligne Le Facteur Haïti. Li dit trois jeunes garçons sa yo, yo te quitté Port-au-Prince pour te aller cap haïtien dans nord pays pour te capable aller récupérer yo machine qui était en panne que mécanicien France Romulus t'a acheté. Mais même sous ça confie avec journal avec média en ligne Le Facteur Haïti que France Romulus dit boss France acheté machine ça depuis ça gagne environ 10 jours. Mais thèse qui avance hein, c'est un assassinat planifié qui évoqué selon proche mécanicien parce que expliquer que pendant toute route que
mécanicien Franz Romelus à policier sa pilote Citroën qui a conduit pour eux mais gon moun gen moun qui t'a pédé le tout demandé qui côté yoyé ça qu'a fait côté yoyé mais yo vinn estimer que yo vinn penser que question ça action ça son action qui planifiée parce que li pas normal pour que yo tout monsieur concerne en condition ça selon famille qui confié avec journal en ligne ça. Mais pas oublier, c'est pas jodi hein, genre de combinaison ça yo, genre des assassinats planifiés ça répété dans société. En un pas jamais poser comme action, en un pas jamais poser vraiment comme on dit de bon action pour que famille en lui-même pour yo capable suspendre victime dans genre de conditions ça yo. Bon me rappeler nous tout gagne funérailles policier Pierre Wilkinson agent 2 qui fait partie 25e promotion de la police non qui était affecté dans unité spécialisée ou personnalité publique USHPLP et Edward Nixon agent renseignement qui lui-même était affecté dans service institution de la police non qui monsieur Sayo quitté mais il chantait lundi 6 septembre 2022 dans l'église baptiste internationale Outreach qui trouvait dans Delma 75 funérailles. Monsieur Sao chanté en présence famille victime yo ak plusieurs personnalités au commandement la police nan, notamment inspecteur général police nan, Frédéric Lecomte, directeur de CPJ, inspecteur général Jean-Lionel Tressil, représentant directeur général nan, France Elbe n'a parlé de représentant que il était voyé dans la cérémonie ça. Inspecteur Jean-Lionel Tressil, à travers dans discours intervention que il t'a fait, dit faire connait la police engagée pour accompagner famille victime défunt yo. Ni policier ça, ni employé civil ça. Pendant que il rappelait que Pierre Wilkinson et Edward Nixon, monsieur était mort dans date en babal, dans date qui était 17 d'août passé. Dans quatre opérations qui ont été menées dans zone Bristou, commune Pétionville, qui trouvait la commune Pétionville, Bristou ça, dans l'idée pour être capable à démanteler un groupe gang qui ont certain de Alex Armstrong du Mornay, ou un ses policiers à diriger groupe gang ça. Et groupe gang ça qui a problème depuis quelques temps là. La police t'a mené une opération, la police qui dit li faut t'a démanteler les groupes gang ça, mais dans cas d'opération ça qu'il t'a mené, mais la police qui est victime. Mais information t'a vle faire quoi tout, gagner de monde qui t'a dans groupe bandit que Alex Armstrong du Mornay a dirigé hein, qui t'est tombé en babal tout et les informations fait quoi tout Alex Armstrong du Mornay a tout lui-même, c'est un monde qui t'a recevoir bal tout et qui t'est marron qui t'est sauvé prend la fuite pour lui. Mais jusqu'à présent, la police continue à chercher tout ça à tout accolio selon information. Mes amis, c'est pas nos cap deal, son réalité. Son bagage qui de fait que n'a vivre jeune jeudi. Vous les messieurs qui te gagne jeudi dans pays hein, pas de bouche pour parler de ça. Pas de monde qui ca dit tête yo qui est, qui joue, qui moment que machine insécurité hein pas passer frapper yo même. Pas de monde qui ca dit tête yo qui est mais seul pas yo hein. Pas privé prend yo parce que jodi an son société son pays son Port-au-Prince qui entouré avec gang tribo pa bo et chaque fois ou tant des situations ça chaque fois ou est pays an, chaque fois tant des nouvelles c'est question jeune garçon groupe nèg capturé mon en dans pays an, ça soulever colère la campil moun parce que yo dit tête yo li pas normal pour jodi an de groupe jeune garçon yo décidé. Eh bien, mettez moun situation difficile en dans pays. Moun yo pa konn sa pou yo fè. Moun yo senti yo nan situation très difficile. Et l'état haïtien, l'état paysan, li même en soi, li semblé pa vle résoudre problème ça. Ou bien tout que soit posé, est-ce que problème ça, li dépasse autorité concernée yo? Mais gen moun ki di mais non, comment dépasse autorité concernée yo? Alors que l'état, c'est li gen obligation pour le capable matin sécurité hein. L'état j'ai pas l'en dit là il gagne monopole violence légitime non qui donc c'est l'état il revient à l'état pour le matin sécurité hein. Question sécurité toujours nous apprendre que la police nationale d'Haïti a arrêté dans semaine là un certain de Eliata Joseph un Elovli
Eligène, mais mesdames ça accusé parce que gen liaison avec membre groupe gang Grand Griffe qui a opéré dans localité ça vient dans la Tibonite, trivé la Tibonite. Mais la police t'a fait quoi que, mais selon commissaire gouvernement à Saint-Maclan maître Moïse Deristin qui t'a fait quoi information ça yo. Mais ça fait 2 semaines que nex ta bay problème, mais nex ça dans ça vient bay problème et la police a décidé attaquer, la police décidé démanteler nex ça yo, mais la police qui dit li quoi que mais la matin sécurité hein et il pas quitter en ken moun vinn bay problème vinn déranger moun k'ap vive nan jan de zone sa yo. C'est moun dit que la police li clair nan Port-au-Prince ak nan ville province yo même tout yo motivé là, yo motivé pour capable yo même matin sécurité. Est-ce que je veux dire à nous quoi que la police capable des résultat? Est-ce que la police a travaillé pour des résultats? C'est un ensemble de questions qu'a posé et réponse sur l'été avec autorité policière.